Bonjour mes amis. Dans la cuisine, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux me réjouir dans les yeux. On dit là, c'est les pâtes. C'est même écrasé la tomate. Coucou, coucou, coucou. Salut. Je veux me réjouir dans... Oh, cousse, salut. Salut, cousse. Je suis en train de faire les pâtes. Avec... Je suis en train de me démerder, là. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Alléluia. Je suis en train de faire des pâtes. Odilon, salut, salut. Tu vas aussi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Dès que c'est fait, inbox, je t'envoie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh, aime-moi victorieux. Aime-moi victorieux. Si tu as envie, c'est que tu es dans un mois victorieux. Actuellement, là, j'ai mis la viande au feu à cuire. Donc, la viande au feu. Je suis en train d'écraser la tomate, l'ail. Et puis, je vais mélanger avec poivre, tout ça. Ah, cousse. Très doux de... Là, je vais envoyer pour toi. Ne t'inquiète pas, j'envoie pour toi, mais ne t'inquiète pas. Alléluia. Quand tu as la santé et tu es vivant, faut glorifier Jésus. Faut glorifier ton Dieu. Ah, aïe aïe aïe. C'est pâte alimentaire. Attendez. Déjà, je vais. Ce sont les pâtes. Ce sont les pâtes. Les pâtes alimentaires. Ce sont les pâtes. Merci, cousse. Merci, cousse. Je sens les pattes. Hé, hey, cousse. Tu es venu me rejoindre ici aussi. Tous mes cousins sont là. Voilà, ce sont les pattes. Les pattes alimentaires, c'est pas saucé. Odilon, c'est pas une sauce, c'est les pâtes que je suis en train de faire. Donc, déjà, je suis en train d'écraser la tomate et tout ça.
Voilà. Sans qu'on écrase la tomate. Mon mixeur m'a lâché. Donc du coup, je suis en train de. Mon mixeur m'a lâché. Donc du coup, je suis en train de. Non, pas Pat maman. Hein. Lui, son nom, c'est quoi? Alissa. Non, c'est Pat Bayo. C'est Pat Bayo. Ça vient dire. Ah, je t'invite. Ah, voici une autre. Tous mes cousins sont alignés comme ça. Coucou. Demandez Mousseau. Bonne arrivée. Massita. Hey. Bonjour madame. Ah, ils sont en train de faire les pâtes, maman, je vous invite. Madame est pas quoi. J'invite tout le monde. T'as compris, cousine? Tu envoies les baguettes alors. Tu envoies les baguettes. Y'a pas de problème. Écoute, ça m'est tué. Ah, ça dépend de toi. Merci. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Comme je le dis, en toute occasion, tu rends gloire au Seigneur. Parce que lui seul, il a le dernier mot sur la vie de chacun d'entre nous. C'est lui seul qui décide quand. Annie, coucou Annie, ça va? C'est lui seul qui décide quand est-ce qu'on doit partir. C'est lui seul qui fait son enlèvement. Il sait à quel moment, il sait à quelle période. Donc, quand tu as la santé. Les deux dernières semaines, je ne me portais pas bien, mais je me réjouis en son nom parce qu'il m'a guéri. Alléluia. Donc, quand tu as. Il faut reconnaître qu'il est Seigneur. Il faut reconnaître qu'il est Seigneur. Il faut reconnaître qu'il est Seigneur. C'est vrai que je fais mes vidéos comme ça pour montrer un peu ce que je fais, mais plus pour rendre gloire au Seigneur, pour rendre gloire, pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le Dieu vrai. Ali, tu veux manger mes pâtes aussi. Mais on pouvait s'en aligner là. Bon, c'est pas grave. S'il y a un an pour une personne, il y en a pour Bini Cristal. Épouse de Sceau, merci, bonsoir. Bonsoir à toi. La dernière fois, je t'ai vu vers Kumasi, là. Vers Kumasi, bien ma peau. Non, je ne maîtrise pas trop à Dijon. Mais il y a un peu longtemps, ça fait peut-être un mois comme ça. J'étais avec une de tes soeurs, je crois. Alléluia. Ça sent bon, hein. Je ne sais pas comment transférer l'odeur
en direct, mais franchement, c'est une très bonne odeur. La viande tellement est bouillie là. Aïe. Je ne sais pas comment transférer ça là encore. Les blancs n'ont pas encore réussi ça. Je veux me réjouir dans les yeux. Mes coups sont partis. Iront mes pieds semblent à se débicher. C'est lui seul qui est notre force. Actuellement, nous devons vivre une vie de repentance avec tout ce qui se passe dans le monde là. Asseyons-nous un instant et puis disons vraiment, Seigneur, je n'ai pas été juste envers toi. Parce que ça, c'est notre quotidien. Ça, c'est notre quotidien. On pense que oui, on est juste aux yeux de Dieu, mais le fait d'avoir une pensée négative sur ton frère, le fait... Non, il n'y a pas de problème. Dès que c'est fait, là, je fais des photos, puis j'envoie. Je vais avoir, t'inquiète. Ah, tu es le premier. C'est toi qui as commandé le premier, donc je vais t'envoyer. Donc, comme je disais, on pense que oui, on vit de manière juste. Et on pense que le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, il ne voit rien. Il voit bien. Il voit très bien tout ce que nous faisons là, il voit. Donc, il faut pouvoir vraiment lui demander pardon. On n'a pas dit d'aller t'exposer à l'intérieur de toi. Tu vois tout ce que tu as fait qui ne glorifie pas le nom du Seigneur et tu demandes pardon. Moi-même là, je dois faire cet exercice là aussi. C'est pas parce que j'en ai pu parler que je suis meilleur que toi. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Moi-même là, je pêche aussi. Souvent tu es là, tu dis, quand les gens viennent, tu dois aux gens qui viennent et puis les gens viennent taper à ta porte là. Tu dis aux enfants de dire ils ne sont pas. Non seulement tu pêches. Tu as fait pêcher tes enfants. Et puis la personne que tu as pris son rien, tu as triple péché même que tu fais. Tout ça, ce sont des péchés. Il n'y a pas petit mensonge avec Dieu. Mensonge là, c'est mensonge. Le nom là, ils n'ont pas mis petit devant. Mensonge, c'est mensonge. Tout ça, c'est péché. Donc, il faut pouvoir se mettre. Il faut pouvoir se mettre vraiment en communion avec Dieu. Et puis demander pardon. Comme ça, le jour où il vient te prendre, tu sais que lui, c'est sans péché. Tu lui as déjà demandé pardon. Tu lui demandes pardon. On n'a pas de lui demander pardon aujourd'hui, puis aller faire grosse bêtise de nous. Tu lui demandes pardon tout le temps. Et pour les erreurs que tu fais, tu sais. Et puis quand tu lui demandes pardon, là, essaie de ne plus refaire. On n'a qu'à essayer de ne plus revenir sur ça. Parce qu'on ment, hein. On ment. Mensonge, c'est le même, c'est le salaire du mensonge, c'est la mort. C'est égal au vol, c'est égal à l'adultère, c'est égal à. C'est le même péché. Il n'y a pas péché qui est plus bon que l'autre. Ça, chez Dieu, là, ça n'existe pas. Péché, c'est péché. Donc, pensons à une vie de repentance sérieuse. Pensons à une vie de repentance très sérieuse. C'est sérieux, hein, ce que je dis là. Où tu fais, tu sais que tu vas faire gros péché le matin et puis aller demander pardon le soir là. On n'est qu'à arrêter ça. Lui là, c'est pas notre camarade. On n'est même pas à côté, c'est même pas notre camarade. Il est le créateur. Exalté, exalté.
Voilà, ma viande est prête.